Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir sur le titre et dans la miniature, donc on a payé 54 000 dollars. Donc en euros, ça doit faire plus de 45 000, 46 000, un truc comme ça, pour se faire former. Donc là, si tu as cette vidéo, tu peux dire soit c'est du bullshit, soit ils sont complètement cons. Et si tu penses ça, bah, quitte cette vidéo. Mais si tu penses qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière, bah, on va t'expliquer pourquoi on a payé, comment ça se passe, pourquoi exactement. Et voilà. Voilà, donc c'était, je me rappelle, on était dans un point dans notre business où c'était un peu chaotique, comme on l'a expliqué dans une vidéo du bilan 2021, si je ne me trompe pas. Et on voulait absolument intégrer un mastermind pour nous aider à simplifier la business et à aller à la prochaine étape. Et cette personne-là, qui s'appelle Sam Ovens, son business nous intéressait énormément. Pourquoi? Parce qu'il avait deux, trois produits, si je ne me trompe pas. C'était super simple. Il avait une équipe de 4-5 personnes et il générait à peu près quoi, 800 000 par mois. Donc, ça nous a vraiment intéressés. Et je me rappelle, on était à Nice lors du séminaire. Et une nuit, moi et Benoît, on voulait brainstorm. Donc, trouver des idées pour comment simplifier le business et quoi faire pour le high ticket. Donc, notre produit high ticket. Et pendant 3 heures, 3 heures, on était sur un papier. OK, bon, ça va. Ah non, on va recommencer. Et pendant 3 heures, après 3 heures, on s'est dit, ben, on n'a rien foutu. Donc là, c'est là qu'on a eu le déclic. On s'est dit, ben non, il faut rejoindre un mastermind. Et à peu près 3 mois, si je ne me trompe pas, c'est là qu'on a décidé de joindre le mastermind à 54 000 dollars. C'est ça, donc c'est exactement ce que tu viens de dire, et j'ai même écrit un email ce matin là-dessus. En gros, aujourd'hui, peu importe ce que tu fais, peu importe ta situation, peu importe ton business ou ton salaire, ou peu importe, si tu veux avancer, ça va te prendre du temps quand tu commences de zéro parce que tu sais pas par quel step, par quelles étapes tu vas devoir passer. Et donc, certes, tu peux réussir tout seul, et vas-y, hein, si tu penses réussir tout seul, vas-y. Peut-être que ça te prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, si pas plus. Ou alors tu peux te former auprès de quelqu'un, tu le payes. Donc nous, dans notre cas, 54 000 dollars pour ce marketeur. Et ce marketeur qui est déjà passé par là où on est passé, bah, il veut nous dire, vous faites ci, vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça. Donc certes, on sort 54 000, mais en échange, on va rentrer par exemple 100, 200 000 euros tous les mois, mois après mois. Et la personne qui fait rien, certes, elle garde 54 000 dans sa poche, mais par contre, pendant 3 ans, elle fait zéro. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, c'est un investissement qui va te permettre d'aller beaucoup plus vite, et le temps c'est de l'argent, et donc tu vas gagner et du temps et de l'argent. Donc il n'y a que des points positifs, quoi, je pense, quand tu fais ce genre d'investissement. Voilà, exactement. Et non seulement on va apprendre de lui, donc pour éviter plusieurs erreurs et avancer beaucoup plus rapidement et faire plus d'argent, mais le plus cool dans ce genre de mastermind, c'est vraiment le réseau et les personnes qui sont à ce mastermind, parce que c'est vraiment privé à minimum, à des personnes qui font minimum 30K par mois, si je ne me trompe pas. Ouais, pour rentrer, il faut faire minimum 30 000. Mais Ouais. dans les faits, on a fait un événement, on a parlé à tout le monde. Il n'y a personne qui fait ça. Tout le monde est à au moins 100 000 dollars par mois. Exactement, minimum. Il y en a qui font 500, 700, mais il y en a un qui fait 2,1 millions. Donc, la qualité des gens et le genre de conversation que tu as avec ce genre de personnes, c'est juste un next level. Et juste une conversation avec une personne, tu peux littéralement doubler ton business. C'est ça qui s'est passé avec nous. On a parlé avec des entrepreneurs en France et ils nous ont dit comment pouvoir sauver sur la TVA. Et juste ça va nous permettre de faire 20% de plus par mois. Donc, c'est énorme. Et en un mois, on vient de rentabiliser le mastermind, quoi. C'est ça. Donc, juste pour ceux qui se posent encore la question, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Qu'est-ce que c'est un mastermind? C'est, bah, il n'y a pas de traduction littérale française, mais on peut appeler ça un club privé. Et en gros, donc là, nous, il y a 99 personnes. Donc, si aujourd'hui, même si tu as l'argent, tu ne peux pas rentrer parce que le club, il est rempli. Et ce club, c'est quoi? Bah, c'est simplement, on a accès à la personne qui gère ce groupe, donc Sam Ovens. Si tu connais pas, bah, c'est le chez qui tout le monde se forme, en fait. En France, par exemple, Yomi Denzel, il est dans son mastermind. Alec Henry, il était dans son mastermind. Léo Guillot, il était dans son mastermind. Bref, tous ceux qui sont leaders dans leur industrie vont à un moment donné chez ce mec pour se former. Donc, nous, c'est ce qu'on a décidé de faire, d'aller directement, bah, au sommet de la pyramide, quoi, voir chez qui tout le monde se forme. Et même aux États-Unis, ceux qui font de l'argent, au final, ils se forment aussi chez Sam Ovens. Donc, c'est un truc de fou. Genre, Alex Becker, Dan Henry, tout le monde vient de chez lui. Donc, c'est un truc de fou. Et nous, donc on a choisi cette personne pour ça, et un mastermind, voilà, c'est simplement ça, un groupe privé. Donc on échange avec les membres et avec le coach, donc Sam Ovens, et on a du contenu comme ça. Et c'est, il n'y a pas vraiment de contenu, c'est pas une formation, c'est juste des échanges avec des personnes, et c'est ça, à un moment donné, qui va t'aider à aller beaucoup plus loin.
Voilà, et chaque personne, il raconte, il explique un peu ce qu'il fait dans sa business. Donc, un conseil de lui, ça peut t'aider à doubler ton business. Un autre conseil d'une autre personne, ça peut t'aider aussi dans ton business à progresser beaucoup plus rapidement. Et c'est ça que je trouve qui est super cool avec ce mastermind. Et je serais OK de toujours renouveler le mastermind. Pourquoi? Parce que justement, à cause des contacts qu'on fait là-bas et des échanges qu'on fait avec les autres intervenants. Donc, c'est super cool. Puis C'est moi, ça, parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'on a payé 54 000 dollars, mais ce n'est pas un accès à vie. C'est seulement pour 12 mois. Et donc là, dans un an, si on veut toujours échanger avec ces gens, il faudra repayer 54 000 dollars. Et pour ceux qui se disent c'est beaucoup, machin ou quoi, franchement, non. Et si tu dois comprendre la valeur qu'il y a derrière, et voilà, si on paye 54 000, c'est qu'on sait derrière, ça va nous rapporter 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions et plus. Et c'est pareil pour tout le temps, il faut voir les choses de manière rationnelle et en tant qu'entrepreneur, quoi. C'est pas 54 000 euros en tant que particulier qu'on sort ça de notre poche. On a déjà un business, on a déjà une entreprise, et c'est pour ça qu'on peut aussi se permettre de faire ce genre d'investissement, quoi. nous, de notre côté, on a pensé à ça, moi et Benoît. Donc, on veut aussi créer notre propre mastermind. Donc, pour travailler avec des entrepreneurs, des personnes qui sont vraiment sérieuses et les aider à scaler leur entreprise. Donc, c'est quelque chose qu'on est super excité à faire. Peut-être pas maintenant, dans l'avenir. C'est un des projets qu'on veut faire et qu'on veut commencer à réaliser. Donc, C'est ça, donc vraiment travailler avec des gens sérieux et c'est ça qui est super important aujourd'hui. Tu peux lire un article de blog, tu peux lire un livre à 7 euros et c'est très bien, ça va t'apporter de la valeur, mais à un moment donné, ça suffit pas et tu vas être bloqué. Et nous, on accompagne des personnes, donc justement dans notre accompagnement privé, qui ont déjà acheté des formations. Il y en a un qui a déjà un business qui tourne bien, mais il a besoin de notre aide pour aller encore plus loin. Et c'est toujours comme ça que tu dois le voir. C'est pas avec de l'information gratuite ou peu chère que tu peux réussir. Et c'est ce qui fait justement la qualité d'un accompagnement privé. Si là, le mastermind, on l'avait payé 1 000 dollars, à l'intérieur, il y aurait 3 000 personnes. Et ces 3 000 personnes, ils ne seraient pas qualifiées, ils ne seraient pas sérieux, ils n'auraient rien à nous apporter. Alors que là, vu que c'est super filtrant, les barrières à l'entrée, on tire le niveau vers le haut au lieu de le tirer vers le bas. Et c'est selon moi le point le plus important de cette chose. Et c'est ce qu'on va aussi changer dans notre entreprise. On en a parlé sur la vidéo 2022, d'avoir des personnes uniquement sérieuses et pas des gens qui vont jamais ouvrir les vidéos, qui posent pas de questions, qui cherchent pas à s'améliorer, parce que c'est pas avec ce genre de personnes qu'on veut travailler. ouais, non seulement ça, mais c'est eux, les personnes qui payent par exemple 5 000, 10 000, 20 000, qui vont avoir le meilleur résultat parce qu'ils sont vraiment engagés et investis dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc forcément, ils vont avoir un rendement sur leur investissement et ils n'auront pas le choix d'appliquer, d'écouter et de suivre les conseils. Et non seulement ça, mais c'est tout le monde va réussir parce qu'ils vont. Si on a un fil, par exemple, 30K par mois minimum pour rejoindre notre mastermind, eh bien, lui pourra échanger avec l'autre personne, ils pourront échanger, s'aider et tout le monde va se tirer vers le haut. Donc, c'est ça qui est cool aussi, tu vois. Donc, Ouais, donc pour ceux qui peuvent se demander est-ce que ça vaut le coup, nous oui, hein, on peut que dire oui. Déjà on a eu dans le mastermind il y a inclus deux événements privés donc dans les bureaux de Sam Ovens à Los Angeles. Donc là on a participé au premier événement il y a quelques semaines et c'était absolument énorme aussi de sortir du digital et de vraiment rencontrer les gens en vrai. On a mangé des tacos, on est allé en ville, etc. C'était vraiment tout ça. Ça crée aussi le fait de créer un momentum. Genre, quand tu vas rentrer chez toi, tu sais que tu vas travailler à fond. Et en tout cas, moi, l'événement, j'ai adoré. Je sais pas toi. ah ouais, moi j'ai tellement aimé. Juste avoir les conversations, c'était humain, mais à la fois, tu apprenais tellement de choses des conversations. Et c'est ça que je trouvais super cool. Je disais à Benoît, j'aurais pu rester dans la salle pendant 7 jours, de 9 h à 5 h le soir, en train d'écouter, en train d'échanger, en train d'appliquer. C'est juste énorme. Donc j'ai Ouais, c'est adoré. ça. Juste une discussion, comme tu le disais, ça peut tout changer. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est parler avec des gens de tout horizon. Donc, il y a des gens qui venaient, il y avait des Belges, on a parlé avec des Belges, qui ne parlaient pas français, mais des Flamands, qui ont un business, c'était super intéressant. On a parlé avec des Français qui étaient là, avec des Américains, des Australiens, des Allemands, un mec qui est à Dubaï. Et ils font tous des choses différentes. Et on a toujours quelque chose à apprendre de chaque personne. Et c'est ça qui fait la qualité aussi d'une formation, d'un programme, d'un mastermind. C'est d'avoir plein de profils différents. Nous, dans notre accompagnement privé, on a des personnes qui ont 22 ans, quelque chose comme ça, qui sont salariées. Et on a un entrepreneur qui a 50 ans, qui a déjà une boîte, qui a réussi sa vie. On a des personnes qui sont salariées, qui ont 40 ans, qui ont des bonnes situations, mais qui ont envie de plus de liberté. Et chacun peut apprendre de chacun. Et c'est ça qui fait la réussite de tout le monde, je pense, du moins. Donc, si on veut résumer. Tu dois toujours te former chez quelqu'un qui a déjà les résultats que tu souhaites avoir, et c'est tout à fait logique. Si tu veux apprendre le football,
tu vas aller voir les meilleurs. Genre, admettons Zinedine Zidane, tu ne vas pas aller voir tonton Roger qui a jamais joué au foot de sa vie. Si tu vas prendre la musculation, tu ne vas pas demander à moi avec mes bras, tu vas demander à Joseph. Tu vois. Et c'est exactement pareil dans le business, dans tout, dans le sport, dans tout dans ta vie. Donc, forme-toi chez des gens qui sont déjà passés par là où tu souhaites aller. Et voilà ce que je peux dire, en tout cas de mon côté. Ouais, non, c'est ça, parce que nous, comme nous, on est arrivé à un point où on a essayé de faire tout par nous-mêmes, de se débloquer par nous-mêmes. On est arrivé à un point où c'était genre, c'était chaotique, on savait plus quoi faire. On avait absolument besoin d'aide pour passer au prochain niveau. Et le fait d'avoir rejoint ce mastermind, justement, ça nous a permis de débloquer, de faire des connexions. Et maintenant, en 2022, on va progresser. Et j'ai super hâte pour tous les projets qu'on va réaliser en 2022. Donc, ouais, comme Benoît l'a dit, toujours investir sur soi-même et de rejoindre un mastermind, de te faire coacher pour te débloquer et arriver à la prochaine étape. Donc, si justement tu veux travailler avec nous, tu as le lien en description. Si tu veux apprendre auprès de nous, si tu penses qu'on a des choses à te partager, peut-être que tu as un good fit, donc peut-être qu'on pourra t'aider. C'est des questions globales par rapport au copywriting, au business en ligne, au mastermind, à Sam Ovens. Tu as les commentaires. Et bien sûr, si cette vidéo t'a aidé, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Et voilà quoi. Ah, je pensais que tu voulais dire autre chose. Non. Ok, bon, à plus.